Hello, hello, hello à tous, on est dans Polygame, toujours sur Hearthstone, on va finir cette semaine l'aventure de Naxxramas. Et voilà, on va finir l'aventure de Naxxramas tranquillement. Avec deux boss cette semaine, on passe à l'étage de Naxxramas qui est l'antre du Wyrm de Givre. Et pour commencer, donc on va attaquer le Wyrm de Givre qui n'est autre que Saphiron. Mon gigantesque Wyrm de Givre t'attend. Habille-toi chaudement. Et pour l'attaquer, on va jouer à son propre jeu en fait. Il aime bien utiliser tout ce qui est glace, tout ce qui est glaçon, etc. Donc on va sortir le mage, enfin Jaina en tout cas, et on va s'attaquer à son propre jeu. Vous allez voir. En attendant que ça charge. En attendant que ça charge. Voyons voir cette première pioche. Ok, bon. On va voir. Regardez-moi ce petit gnome. Lui aussi a fait intrusion ici, comme toi. Alors, pour la petite histoire, donc on va parler du raid Naxxramas dans World of Warcraft. Quand on commence à s'attaquer à ce fameux Wyrm de Givre, Saphiron, déjà on a une belle animation de lancement de combat qui est plutôt sympa. Et ce monsieur-là, il nous fait des pluies de glace, donc genre ça, par exemple. Il gèle certaines personnes du raid, et quand il gèle des personnes du raid, en fait, il faut que tout le monde se mette derrière ces glaçons, donc ces personnes sont venues des glaçons, en l'occurrence ici ce gnome, pour ne pas subir les dégâts d'une AoE qu'il va faire. Voilà. Donc ça c'est pour la petite histoire. On revient au jeu de cartes et on ne peut absolument rien faire, donc fin du tour. Deux points, deux points, deux points. Ben on va lui mettre trois points. Et fin du tour toujours. Donc ici, sur Hearthstone, Saphiron dans l'histoire du bloc de glace, si ça, enfin, en tout cas là, si j'invoque des serviteurs à gauche et à droite du glaçon, ils seront immunisés par rapport à son attaque. Si je les mets un peu plus loin, ils seront pas forcément immunisés. Enfin, ils seront pas du tout immunisés même, ils vont être attaqués, ils vont être détruits, ils vont être morts. Et je ne peux pas faire grand-chose. Voire pas du tout en fait. Du coup, on va jouer au gel. Sort une provoque. Alors, va le geler. Comme ça, moi, on est tranquille pour un tour. D'où la référence à World of Warcraft, ce qu'il vient de faire. Le fameux Kel'Thuzad. On va jouer un secret et un sort. Et il nous faut trouver. Je pense qu'après on va faire une boule de feu sur lui. Comme ça on va faire un petit peu de ménage. Allez, ça c'est fait. Il est gentil, il va me faire piocher. Alors,
On va faire un peu la sécurité. C'est pas très français ce que je viens de dire. On va jouer la sécurité plutôt. En espérant qu'il m'attaque avec cette provoque là. En premier. Vous me rejoindrez tous dans la mort. Aïe. Ça risque d'être un petit peu compliqué. En même temps, c'est le dernier boss. Ah oui. Ah oui. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, est-ce qu'on les gèle tous? Est-ce que... on pioche? On va les geler. Je peux faire un jet de besoin? Alors... ça m'a peut-être d'utiliser 6 cristaux de mana pour ça quand même. On va plutôt... ouais, ça fait 7. On va piocher, on va réfléchir. Ok, bon. Voilà, ça c'est fait. Va falloir l'attaquer à un moment donné quand même. Il était déjà gelé. Alors, comme ça, moi, si lui meurt, quoique il va peut-être pas m'attaquer ça de suite. Est-ce qu'on fait une charge? Est-ce qu'on fait une charge? On va jouer la charge. Il faut l'attaquer à un moment donné de toute façon. Saphiron, exécution du plan, glacez le sang. Ah ouais, quand même. Moi je vais faire 23 points de dégâts là. Pour le roi. Pour l'honneur. Je sais pas du tout. Oh non. Ah ouf. Réfléchissons. Histoire de gagner un petit peu de temps. Ah ouais, tiens. On va faire ça. Un petit peu nettoyage plateau. Un point de dégâts de ce côté. Ça va être tendu. Tendu. Vous me rejoindrez tous dans la mort. Aïe. Malin. Dommage parce que des fois les... Enfin, c'est dommage. Dommage. Ensuite. Pour l'honneur. Eh, c'est un petit peu la pression là. Comment je vais faire? Il faut que je vire du monde.
Il faut que je vire du monde. 8, 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9. Pour l'honneur. Est-ce que je prends le risque ou pas? C'est ça la question. Allez. Voyons voir la carte qui va sortir. Voyons voir. Ok. Alors. Si je fais ça. Déjà, on fait ça. Ensuite, on fait ça. Lui, il en fait deux. Et lui, il en fait un. Donc, deux. Et un. Et victoire. C'était tendu quand même. C'était assez tendu. Ouh, on peut souffler. Voilà pour cette première vidéo de la semaine avec Saphiron. Il nous reste un boss, le fameux Kel'Thuzad, qu'on va tenter dans la vidéo qui va suivre. A tout de suite.